C'est un homme pointilleux et courtois qu'il nous est donné de recevoir aujourd'hui. Un homme d'influence. Mais derrière le phrasé impeccable, va peu à peu se dévoiler une âme riche, une sensibilité touchante. Laurent Stéphanine y revient sur les images qui font sa vie, avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe, Laurent. Et bienvenue dans votre vie. Eh bien, merci, Luc. Alors là, on va remonter très loin. Hein. Avec ces grands panneaux, oui. Oui, oui. Là, on remonte de presque 150 ans. Cette photo date des années 1880. Et c'est mon arrière-grand-père, François Stéphanini, sa femme, Marie-Françoise Peretti, et l'une de ses deux filles. Il a eu 7 enfants, dont 2 filles. Une, Cécile, qui est représentée, qui était l'aînée de mon grand-père. Et il a eu une deuxième fille, mais qui malheureusement est décédée. Donc voilà, c'est une photo prise certainement à Ajaccio dans les années 1880-90. Il était originaire d'où, cet arrière-grand-père ? Ah, cet arrière-grand-père, il était originaire de Sarre. Hein. Ah oui. C'est vraiment toujours cette partie de la famille, c'est toujours Ajaccio, Sarre, Calcatoge, Tiouch. Voilà. Et alors, il avait une assez grosse exploitation. Oui, parce que c'est quelqu'un d'assez riche quand même. Agricole. C'est quelqu'un d'aisé. Et surtout, c'est quelqu'un d'aisé. Ça se voit d'ailleurs pour se faire représenter ainsi à la fin du 19e siècle. Voilà. Et peut-être lui, je ne sais pas s'il était inscrit, mais il a fait en sorte que ses 7 enfants le soient. Ses 7 enfants ont fait des études. Ses 7 enfants ont fait des études, oui, tous. Oui, oui, même les filles. Et lui-même avait fait des études. Ah. D'ailleurs, il a eu une carrière politique locale, était juge de paix, était conseiller général. Donc, il a eu des responsabilités dans la Corse de la fin du 19e siècle, en plus de la gestion de son exploitation agricole. Et on va aller vers un de ses fils. Alors, mon grand-père. Mais oui. Mon grand-père, le jour de son mariage avec ma grand-mère. Donc, mon grand-père est là en tenue de capitaine. Donc là, c'est son mariage à Paris avec ma grand-mère, qui, elle, est d'origine auvergnate. Ce qui va d'ailleurs le fixer sur le continent, votre grand-père. Parce que lui, ça effectivement, va fixer la Corse. Il va rester sur le continent. Et sur le continent, il va fréquenter un petit peu cet homme-là à côté. Alors, tout à fait. Ils étaient exact contemporains, puisque... ils avaient le même âge. Ça, c'est César Campi. Après, c'est César Campi. À son bureau, à l'époque où il était président du groupe radical à la Chambre des députés, puis ensuite ministre de la Justice et ministre de la Marine dans les gouvernements de Léon Blum. Voilà. Parce que mon grand-père m'en parlait, mon père m'en parlait souvent, même s'il est mort relativement jeune. Il y avait un lien de famille et en plus, si je peux dire, c'était le grand homme de la Corse de l'entre-deux-guerres. Et qui va, parce que votre grand-père, ça va être quelqu'un qui va compter sur le continent, bien sûr. Hein. Il va recevoir du monde. Et quand il va avoir un enfant, celui-ci, votre père, ça va un petit peu, ça, comment dire, votre père, quand il va grandir, ça va un peu l'énerver, ça, de voir que son père à lui est constamment sollicité par les Corses. Et finalement, cette famille qui vient systématiquement en Corse, ça va éloigner votre père de la Corse. C'est à ce moment-là qu'il s'éloigne un petit peu de la Corse, qu'il retrouvera avec ma mère lorsque il viendra la présenter en Corse au moment de leur mariage. Effectivement, votre papa va grandir effectivement sur le continent, vous l'avez dit, sans trop rentrer en Corse. Il rencontre votre maman. Votre maman qui est d'un caractère... Quel caractère de votre maman ? Comment on parle ? Elle est bonne. Voilà, elle est bonne et douce. elle est très organisée, mais elle est d'un naturel souriant et généreux. Parce qu'il faut le supporter quand même, votre papa. Votre il faut papa, le supporter, tout il, à fait. Il est taciturne, c'est un homme qui est un petit peu... Non seulement il est taciturne, mais il est aussi un peu misanthrope. C'est-à-dire que si nous passons à la maison de Saint-Germain-en-Laye... Allons-y. Où nous voyons
Dans les années 1980, ma mère, mon père et un ami américain d'ailleurs, mon père était très attaché à cette maison et il y a vécu, je dois dire, un peu comme un ours. Un peu reclus. Voilà. Un peu reclus. Et vous, vous allez naître d'ailleurs dans une clinique, pas loin, hein, dans une clinique privée. Et c'est là aussi où vous allez grandir. Ah, c'est là où je vais grandir, oui. Fils oui. unique aussi. Exactement. Alors, il y a eu un François. Comment il s'appelait votre grand-père ? L'arrière-grand-père, c'est François. Après, il y a François-Antoine. D'ailleurs, souvent, François-Antoine. Mon arrière-grand-père, je dois dire, je ne sais pas quel était son deuxième prénom. Mais mon grand-père, c'était François-Antoine. Mon père, c'était François-Antoine. Et vous, c'est Laurent ? Et moi, c'est Laurent. Laurent-François. Laurent-François. Et Laurent-François, on va voir ce qui va se passer dans cette maison. Quel va être votre imaginaire et ce que ça va donner ? Quelle carrière sera la vôtre ? Mais on ne va pas en parler là. On va pas aller dans on une va autre rentrer. Pièce. Allez, allons dans une pièce. Asseyez-vous, Laurent. Merci, Luc. On va rester un petit peu dans cette maison. Enfin, quoi que non, dans cette maison de Saint-Germain-en-Laye. Vous allez en partir, et vous allez en partir pour faire ça. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ces photos, parce que vous rêvez de quoi dans cette maison, vous, quand vous êtes fils unique dans cette grande maison avec votre grand-père ? De voyage et de sortie. Mais ça n'a pas été, je dois dire, la première raison qui m'a conduit à quitter la maison, la première, vous l'avez sur la droite, c'est mon service militaire que j'ai fait dans l'armée de l'air. Et puis ensuite, eh bien évidemment, les études. Alors là, vous me voyez avec des amis... Des camarades de promotion de l'ENA. Alors, des camarades de promotion de l'ENA, exactement. Ouais, des camarades de promotion de l'ENA, parce que Laurent... Très vite, voilà. Vous avez envie de faire une carrière de haut fonctionnaire. Alors, votre papa, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais votre papa, lui, s'est plutôt dirigé, avec sa thèse, mais malgré sa thèse, j'ai envie de dire, vers le privé. Il a travaillé chez Péchinet, lui, hein, il était dans le privé. Oui. Et est-ce que c'est pour ça, je sais qu'il ne se réalisait pas trop, finalement, dans le privé, est-ce que c'est pour ça que vous, vous vous êtes dit, moi, je vais aller dans le public ? Je dirais que c'est un petit peu différent. J'ai beaucoup hésité avant de trouver ma voie. Et au fond, le fait que mon père ait fait Sciences Po... Sciences Po Paris, l'école libre des sciences politiques à l'époque pour lui, m'a conduit à choisir, quand j'avais 16 ans, puisque j'ai passé mon bac à 16 ans, de faire cette voie-là, parce que je me suis dit, au fond, c'est très ouvert sur beaucoup d'activités. Et bien ensuite, naturellement, quand ça marche bien, on se dit, bon, on va passer les concours administratifs, et le premier d'entre eux, qui est le concours de l'ENA. Voilà, vous allez comme avoir ça, quoi. J'y suis rentré. Je dirais, finalement, assez facilement et plutôt jeune. Et puis, à l'ENA, il va y avoir peut-être un petit hic qui fait que vous n'allez pas sortir parmi les premiers. Et à l'ENA, quand on a les meilleures notes, on choisit d'aller, notamment, d'être inspecteur des finances. Vous, votre classement, eh ben, ne vous permet pas ça. Vous êtes obligé de choisir le Quai d'Orsay ? C'est comme ça que ça se passe ? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. J'avais la possibilité de choisir tous les ministères, mais pas les grands corps. J'ai hésité entre deux ministères, le ministère des Affaires étrangères, pour devenir diplomate, et le ministère de la Culture, qui m'a toujours aussi beaucoup intéressé, être un administrateur de la culture. Et je dois dire que je l'ai retrouvé en étant pendant presque 4 ans ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, il y a quelques années. Mais là, vous anticipez un petit peu, justement. Vous vous orientez vers le ministère des Affaires étrangères. Votre premier poste, un de vos premiers postes, vous allez partir à Bruxelles, auprès de l'Union européenne. Mon premier poste, ça a été à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay. Ensuite, c'est vrai que je me suis occupé de questions... européenne. Mais je n'ai jamais été en poste à Bruxelles. J'ai été en poste surtout à New York. Et exact. Ma spécialité, plus que, je dirais, la coopération européenne, c'est la coopération dans le système des Nations Unies. Voilà, les Nations Unies, les Nations Unies. Alors, vous avez ici quelques très jolies images.
D'abord, celle de l'un de mes très grands ambassadeurs. Et oui, parce que quand vous allez à New York, vous retrouvez celui qui est en poste là-bas. Vous êtes nommé, effectivement, hein, il y a un classement. Et celui qui est en poste, l'ambassadeur de France, c'est lui. C'est lui, c'est Pierre-Louis Blanc, qui a été un proche collaborateur sur la fin de sa vie du général de Gaulle, qui était, à l'époque, il était jeune diplomate, et qui a été de 86 à 91 ambassadeur de France auprès des Nations Unies. C'est et que maître. J'ai eu au téléphone, parce qu'on se téléphone de temps à autre, pas plus tard qu'avant-hier, qui est encore à 95 ans, bon pied, bon œil, et c'est un remarquable diplomate qui m'a beaucoup appris. C'est quoi un excellent diplomate? Parce qu'il va tout vous apprendre pratiquement, lui. Alors, un excellent diplomate, c'est quelqu'un qui sait, sur des sujets qui sont souvent compliqués, qui sont ceux du Conseil de sécurité aux Nations Unies, qui sont des sujets très politiques, et nous avons vécu ensemble la chute du mur de Berlin en 1989, nous avons vécu ensemble un certain nombre de conflits régionaux qui étaient en train de se résoudre, en particulier au Cambodge, au contraire de nouveaux conflits, la première guerre du Golfe en 90-91 et ses suites. C'est quelqu'un qui sait quelles sont ses instructions et qui fait en sorte que, eh bien, on obtienne le plus de résultats qui correspondent à ce que Paris, c'est-à-dire à ce que le gouvernement souhaite. Donc être diplomate, ça n'est pas être faible et noyer le poisson, c'est être suffisamment habile pour, en gardant toujours le sourire, en étant toujours quelqu'un, si je peux dire, d'ouvert aux idées des autres et aux propositions des autres, qui parvient à ses fins, qui négocie, qui parvient à obtenir un bon résultat pour la France. Après New York. Alors, après New York, bien après New York, quand même, le protocole. Le protocole. Poste hautement sensible, quand même. Celui-ci, ça serait, c'est assez difficile. Il y a 106 collaborateurs sous vos ordres. C'est quelque chose de compliqué, ça. C'est un gros service parce que d'abord nous accueillons en permanence les ambassadeurs et les diplomates et les fonctionnaires d'organisations internationales. Il y a quand même 40 000 personnes à statut particulier en France. Nous sommes un des pays où il y a la plus forte communauté internationale au monde avec la Belgique, les États-Unis, la Suisse. Et puis surtout parce qu'on a organisé énormément de déplacements. Surtout que c'était avant la pandémie, donc les présidents de la République. Et j'en ai servi deux, M. Sarkozy et M. Hollande voyageaient beaucoup. D'autant qu'en 2011, en plus, j'étais secrétaire général de la présidence française du G8 et du G20. Ces deux grands mécanismes de coopération et d'échange de vues internationaux. Et donc voilà, donc il y a aussi cette dimension, je dirais, d'organisation de sommets. Ma dernière mission, pas tout seul d'ailleurs, et là je n'en étais pas le secrétaire général, mais ça a été de contribuer à cette COP21, la Convention climat. La voilà, la conférence sur les changements climatiques de 2015, avec 137 chefs d'État et 157, pardon, chefs d'État et de gouvernement. Ils sont tous représentés ici. C'est un record mondial. Même à l'Assemblée générale des Nations Unies, nous n'avons pas été en mesure. Il n'y a pas d'occasion où il y ait autant de chefs d'État et de gouvernement en même temps. Après le protocole, ou même avant, on va revenir avec quelque chose qui est très important pour vous. C'est cette photo. Je suis, si je peux dire, somptueux, puisque c'est à l'occasion des vœux au corps diplomatique que j'ai pu avoir ce moment rapide d'échange avec le pape Jean-Paul II, puisque j'ai passé 4 ans à l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Je dis que cette photo est importante parce que pour vous, ce premier poste au Vatican, effectivement, vous touche à plus d'un titre, et notamment, vous êtes très croyant. Alors, je suis profondément croyant, effectivement. Je suis aussi, j'essaye le plus possible d'être pratiquant. Mais la place des religions dans la vie publique internationale m'a toujours énormément intéressé. Et donc, on va aller naturellement sur cette photo. Sauf que là, cette fois-ci, Laurent, eh ben, il va y avoir un hic.
Alors, je dois dire que ça n'était plus Benoît XVI. C'était donc le pape François, qui est toujours le pape actuel, qui a eu à régler cette affaire, je dirais d'une façon ou d'une autre. C'est une affaire un petit peu compliquée qui m'a beaucoup pesé pendant un an, l'année 2015. Heureusement, j'étais distrait parce qu'il y avait à préparer la COP21. Donc j'ai été au fond un peu distrait dans cette période d'entre-deux où j'avais été nommé par décret en Conseil des ministres du 5 janvier 2015 ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, mais où j'ai attendu quasiment 18 mois un agrément qui n'est jamais venu. Voilà. Et ça ? Mais c'est une affaire compliquée, avec des arrière-plans multiples, où, je dois dire, un certain nombre de collègues du ministère des Affaires étrangères n'ont pas été très corrects. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, mais justement, il y a 18 mois de lutte entre François Hollande, qui tient absolument à vous nommer, et le Saint-Siège qui finalement dira non. Et pour vous, Laurent, ça va être, vous allez le vivre très très mal ça, parce que j'ai envie de dire, vous étiez fait pour ce poste. Oui, c'était le poste, mais je me console en me disant d'abord que j'ai été nommé par mon gouvernement, c'est pour ça que j'attache de l'importance au fait de dire que j'ai été nommé, même si je n'ai pas été agréé ambassadeur de France près le Saint-Siège, qui prouve la confiance de mes autorités. Et puis, deuxièmement, ayant déjà eu l'occasion, une douzaine d'années avant, d'être numéro 2 et même chargé d'affaires, d'où l'image précédente avec le pape Jean-Paul II, j'avais déjà pu, si je peux dire, voir tout l'intérêt qu'il y a à traiter des rapports avec le Saint-Siège. Et puis, j'ai été nommé ambassadeur de France auprès de l'UNESCO en avril 2016, et c'est aussi une très belle affectation. Voilà, voici. Alors voilà. C'est quoi, c'est un peu une récompense, d'ailleurs, c'est un peu une récompense. C'est les tout premiers temps. Alors évidemment, il y a une dimension récompense. Il y a aussi une dimension compte tenu de ce que j'avais fait longtemps, pendant plusieurs années, en étant à New York, aux Nations Unies, ou ambassadeur pour les questions d'environnement. Et donc, vous allez rester combien de temps à l'UNESCO ? Je suis resté 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi à l'UNESCO, on va vous retrouver. On va vous retrouver et ici. Et voilà, là, c'est un très bon moment. À Monaco, avec le prince Albert. Monaco, c'est important. Il y a quoi ? Il y a 40 000 Français qui passent chaque jour à Monaco. Hein ? Monaco est très important pour la France. Ouais. Et la France est très importante pour Monaco. Il y a vraiment une sorte de symbiose qui fonctionne bien. Mais moi, ce qui m'intéresse sur cette photo, c'est qu'après toutes ces années dans les ambassades, vous alliez à Monaco. Parce que Monaco, en fait, on va le voir, vous, ce n'est que 50% de votre temps. Or, logiquement, avec votre background, vous auriez pu prétendre à un poste à Moscou, par exemple. Non, je ne suis pas un spécialiste. D'abord, je ne parle pas russe. Il vaut mieux parler russe quand on va à Moscou. Et puis, deuxièmement, je ne suis pas un spécialiste. Ou alors Washington. Washington, c'est notre premier poste. Washington est occupé par un... Mais ça pourrait être par quelqu'un vous. Du niveau de Pierre-Louis Blanc, c'est-à-dire actuellement Philippe Étienne. Non, c'est quelqu'un qui a une expérience. Mais vous l'avez l'expérience, Laurent. J'ai une expérience, mais pas du niveau de Washington ou de Moscou. Alors, permettez-moi de dire, est-ce que c'est parce que, justement, quand on va à Washington ou Moscou, il faut être un ambassadeur à 100, voire 120%? Tout à fait. Et vous n'êtes pas à 100, voire 120%, parce que vous avez une autre vie à côté de la diplomatie. Et ce que je vous propose, Laurent, c'est d'en parler dans une autre pièce, de cette autre vie à côté. Avec plaisir. Allez, venez. Allez, Laurent, l'autre moitié de votre vie se passe ici. Oui. Et à commencer ? Avec ou sans filtre ? Là. Ah oui, alors ça, c'est une très jolie photo prise à la Villa Effrussi de Rothschild, assez récente, à un moment où je suis en détente dans cette
très belle. Vous êtes en détente. Très beau lieu. Mais je pensais que c'était parce que vous étiez en détente, parce que vous êtes correspondant de l'Institut de France. C'est ici. Alors oui, mais il faut savoir que la Villa Effrussi de Rothschild relève de l'Académie des Beaux-Arts. Et moi, je suis à l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis, vous faites partie d'un nombre incalculable de sociétés savantes. J'ai eu accès à votre CV, je n'arriverai pas à tout retenir. Mais en tout cas, il y a une image qui reflète un petit peu ça, parce que c'est quelque chose qui vous touche. La numismatique et le fait que je sois suffisamment intéressé par les monnaies et médailles pour que des amis aient l'idée de me faire faire, pour mes 60 ans que j'ai eu cette année, cette médaille. Vous appartenez à combien de sociétés savantes en tout? J'ai même pas pu compter, moi. Oh, je dirais une trentaine. Une trentaine. Entre les associations, les sociétés, quelques académies de province, oui. Ça vous vient d'où, cet appétit? J'allais dire une appétence, un appétit le, même. Le goût de l'histoire, la curiosité intellectuelle, la passion pour mieux comprendre. Et ces sociétés, tout au moins dans les domaines qui m'intéressent, c'est-à-dire sciences politiques, histoire, un peu le droit, permettent de bien comprendre les choses, de bien remettre en perspective. Et ça, c'est pour moi très important. Il y a ça aussi. Alors oui, ça, ce sont deux livres. Alors un livre que j'ai dirigé et un livre auquel j'ai contribué et participé, mais je n'en étais pas le responsable. La table, c'est quelque chose de typiquement français, y compris dans sa dimension corse. D'ailleurs, vous avez dans ce livre, le dernier repas, c'est celui qui a été offert pour la COP21 en 2015. Et vous aviez des produits de tous les terroirs français, y compris la clémentine de Corse. Eh bien, la Corse, vous en avez parlé. On va la retrouver là. Regardez, mettez-vous là plutôt, Laurent. Là. Et là, je vais vous poser une question. Là, vous êtes à l'UNESCO. Et là, c'est un site qui est au patrimoine mondial de l'humanité. Vous nous avez parlé tout à l'heure que c'est assez fragile, finalement. On n'est pas inscrit là pour l'éternité, justement. Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler quand vous étiez à l'UNESCO, de ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, nous inscrivons toujours de nouveaux sites. Et en Corse, il y en a un, celui-ci, qui est menacé, si je peux dire, par le développement urbain et touristique. Qui fait que, comme il a été inscrit comme site naturel, il faut maintenir la dimension naturelle, et c'est un site d'autant plus, je dirais, compliqué, difficile à protéger, que c'est à la fois un site sur terre et dans les eaux. Nous en avons d'autres, d'ailleurs. Et voilà, donc il faut être vigilant. Est-ce qu'on en parlait? Est-ce que c'était menacé? Oui, clairement. Pas de mon temps, puisque j'ai quitté mes fonctions. À votre époque, non. Mon dernier. On commençait déjà à en parler un peu, mais ça devient aujourd'hui un vrai sujet. D'accord. Et le risque de désinscription est toujours là. Est réel. Donc il faut prendre un certain nombre de mesures. OK. Pour éviter ce qui serait quand même une forme de déshonneur pour ce magnifique lieu. Puis la Corse, elle est là aussi. Alors la Corse, elle est là. On a eu l'occasion d'en parler, Laurent. Votre papa, il s'est détaché quand même de la Corse. C'est vous qui allez le ramener un petit peu à la Corse, qui allez le refaire venir un jour pour redécouvrir un petit peu ses racines, hein, dans les années 80, si je ne m'abuse. Et puis il y a lui qui va aussi vous aider vous-même à retrouver la Corse. Donc c'est mon cousin Calixte Stefanini, ou mon oncle Calixte Stefanini, qui avait très très grande culture, une culture contemporaine, qui était fonctionnaire international, beaucoup parcouru le monde, et j'aime énormément cette photographie, parce que on le voit avec un air malicieux, malgré son grand âge, c'est peu de temps avant sa mort, il y a quelques années, donc il devait avoir 90 ou plus de 90 ans, et on le voit avec des yeux que l'on devine pétillants derrière les lunettes de soleil, et un petit sourire ironique. C'était une très belle figure qui a
contribué, je dirais, à forger ma personnalité quand j'étais adolescent et jeune homme, et surtout, effectivement, à conserver un lien étroit, moi qui ne suis pas né en Corse, moi qui n'y ai jamais vécu longtemps, en dehors de brefs séjours, avec l'île. Et vous y revenez d'ailleurs, hein, vous avez encore des cousins ici. J'ai encore des cousins, tout à fait. Et vous allez profiter d'ailleurs de votre venue ici pour rester un petit peu en Corse avant de repartir. Tout à fait, hein, tout à fait. Allez, venons là au dernier écran, qui est un résumé un petit peu de... Ah, oui. De ce que vous êtes, Laurent Stéphanil. C'est tous les présidents que vous avez servis depuis que vous êtes au Quai d'Orsay. Il y a, alors j'allais pas dire, l'homme qui a dit non aux États-Unis, l'homme qui a dit souvent oui aux États-Unis, et puis il y a l'homme qui dit maintenant oui, entre guillemets, à la Russie. C'est pas facile de naviguer là. Ça n'était pas la personne que je servais, c'était vraiment la fonction. Et d'ailleurs, eux-mêmes le savaient et m'appréciaient ou m'orientaient parce qu'ils étaient le président de la République. Je n'étais pas là auprès d'une personne en particulier. Et ça simplifie les choses. On est chacun dans son rôle. Ce sont des institutions. Alors, même si on a un peu trop tendance... Dans le monde contemporain, effectivement, et peut-être que c'est la presse qui, probablement plus encore les réseaux sociaux, de trop personnaliser la fonction. Donc ma dernière question, ce sera celle-ci. Vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir un aussi bon classement que ça à l'ENA, en fait. Ça a été une bonne chose. Vous avez... C'est important, l'ENA, mais il ne faut pas tout ramener à l'ENA. C'est-à-dire que je suis sorti de l'ENA, j'avais 24 ans. Donc, et aujourd'hui j'en ai 60, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même... Mais vous ne regrettez absolument pas. Je ne regrette pas du tout d'avoir choisi le ministère des Affaires étrangères, même si on voit ici, par hasard, sur cette photographie, encadrant le président de la République, deux très grands préfets, et que je dois dire... La carrière préfectorale aussi m'aurait tenté, peut-être. C'est comme ça. Allez, venez, on se met à côté, on fait le selfie pour se dire au revoir. Merci à vous. Hop. Merci à vous, Laurent. Merci à vous. Bon séjour en Corse. Merci, Luc. Bon retour à Monaco. Et puis, à bientôt. Voilà, tout simplement.